music we play is geared for you to think. So for those of you who don't think too much, I'm just telling you about that shit before we drop it on you. Ah, cette journée elle commence trop bien, il y a un mec qui me croise dans la rue, il me fait « ne me touche pas, je suis pas pédé ». Mais d'un air super méchant, tu vois. Être accosté par un homophobe à 11h du matin, check. Bon allez, c'est parti pour une petite journée un peu spéciale. Alors pourquoi j'ai dit un vlog un peu spécial? Tout simplement aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un truc. Je vais tester un nouveau format de vidéo et en fait, là on se dirige à la FNAC pour aller chercher un petit objet qui me manque voilà, pour ce nouveau format. Je récupère l'objet et je vous en parle plus. Génial ce Batucada. Je crois qu'on dit Batucada, ouais, c'est ça. Bon, alors, waouh, il faut un boucan. C'est chiant en fait. Attends, on va. Quand ce sera plus calme. Bon, c'est bon, c'est plus calme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai acheté ça. Si vous avez mal vu, c'est un accessoire pour un micro externe. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté un micro il y a 4-5 ans. Et en fait, j'ai tout perdu dedans. J'ai plus. Oh putain, je vais me faire écraser. Et voilà. J'ai perdu tous les accessoires qui allaient avec. Et notamment ça. La petite mousse là, la protection contre le vent. Pourquoi? Parce que je vais faire un nouveau style de vidéo. Je vous en parle juste après. Mais là, il faut que j'aille chercher vite, vite, vite ma veste de costard parce que il est midi moins le quart et ça ferme à midi. Et j'ai pas le ticket. Voilà. C'est Gwen qui est partie avec. J'ai pas le ticket. Donc, allez, go. Assassin de la police. Ça, c'est une caméra. Oh, mais attendez, pour la tenir. Exactement, vous la regardez, vous pouvez la poser comme ça. Et ça fait, regardez, ça fait, ça fait des belles images. C'est fabuleux. C'est fabuleux, hein. Ouais, bon, bah super, merci beaucoup. Merci à rendre dans la poche. Exactement. Au revoir, madame. Tu vois, ça c'est un peu le fire ça, les gens un peu plus âgés, hein, faut le dire, je pense que c'était une dame un peu plus âgée, très sympa, très intéressée par ce que je faisais, voilà, et qu'est-ce que je tiens dans la main, qu'est-ce que c'est, voilà. Bon, bref, là j'ai récupéré ma veste de costard, dites un prix pour la veste. Ouais, non, 4 euros. 4 euros le pressing, on est d'accord, c'est que là. Bon, c'est génial. Bon, bref, allez. Moi, je me prépare. Et puis, je vais bientôt descendre, récupérer le camion, charger le matos. Fin ma vie de DJ, quoi. Enfin, génial. On adore. Oh. Oh. Pourquoi j'ai ça? Donc ça, je l'ai déjà. Ça, c'est un petit trépied. C'est Thomas Jazz qui l'a. Et en fait, ce qui me manquait, moi, c'est ça. Parce que, en fait, je vous explique. Voilà, j'ai ça, en fait. C'est un enregistreur numérique avec, en fait, qui fait office de micro en même temps. Donc, c'est une super qualité. Et en fait, vous avez ça qui vous permet de réaliser un pancakes. Voilà. Magnifique. Non, c'est pas du tout un pancakes, hein, on est d'accord. C'est pour faire des interviews, exactement, voilà, donc ceux qui me suivent sur Snap ont déjà vu ça dans un des snaps. Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'on faisait bah en fait, le micro sature, parce que j'avais pas la petite bonnette. Tout ça pour vous dire, en fait, que j'aimerais partir sur un nouveau style de vidéo. Je vais partir sur des micro-trottoirs, en fait, entre guillemets. En fait, je vais essayer de faire un mix entre du vlog, pranks, du micro-trottoir, etc. Parce que le vlog, j'aime beaucoup, mais je trouve pas ça hyper, hyper kiffant, quoi. En gros, si jamais vous me découvrez avec une vidéo, un vlog, vous n'allez pas dire « Waouh, c'est dingue ce qu'il fait !» Non, les gars, en fait, j'ai pas une vie exceptionnelle.
Donc voilà, je vais tourner des vidéos que je vais sortir rapidement. Voilà, j'ai déjà 4-5 idées de micro, trottoir, slash vlog, slash blabla, slash... Bref, un petit... On prend tout, on mélange tout et puis ça va donner ce que vous allez voir sur ma chaîne. Et en fait, j'aimerais beaucoup que vous réagissiez à soit cette vidéo en disant « Bah ouais, c'est peut-être une bonne idée, c'est vrai que les vlogs, quand on te connaît pas, qu'on découvre ta chaîne, et bah c'est pas hyper entraînant en fait. » Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dis, je suis complètement à la bourre, je vais mixer ce soir dans le sud, donc j'ai 3 heures de route, il est environ 1 heure d'après-midi, donc il faut que je me dépêche. Bref, tout ça pour dire que ça arrive très très vite, et bah là on continue le vlog, je vous emmène avec moi, allez. Avouez, elle vous fait rêver ma vie, hein. Allez, droit, c'est mon max. Bon, je viens d'arriver au domaine des Barattes, donc c'est à côté d'Avignon, vers Cavaillon plus précisément. C'est un petit domaine que vous voyez derrière moi. Donc là, vous avez la bâtisse principale. Derrière, vous avez la piscine, le jardin. Et nous, ça se passe de l'autre côté. Donc, j'y mixe pour des clients que j'ai rencontrés à Megève cet hiver. Donc, c'est un anniversaire, donc des 60 ans. Ils sont 80 personnes, donc ça va être plutôt cool. Et je vais vous montrer la salle, donc l'installation que j'ai faite. Donc voilà, donc là, j'ai installé le son. Hop, la platine, petite enceinte, caisson. La salle est ici. Donc, manche debout, etc. Voilà, là donc il y a une enceinte à l'extérieur pour l'apéritif que je vais rentrer après dans la salle à l'intérieur. Il est 6h, donc je vais mixer à partir de 20h. Donc là je vais aller dans mon petit gîte où je dors, me reposer, travailler un peu mes sons. Et puis je pense qu'on se retrouve directement dans la soirée. Allez. Bon, je viens d'arriver au gîte, donc là où je dors c'est une petite maison d'hôte. Mais il fallait que je vous montre parce qu'en fait c'est super mignon. Déjà, juste la vue, le coucher de soleil. T'as le coucher de soleil en face de toi, donc ça c'est cool. Et en fait, regarde, c'est ultra mignon. Donc t'as le couchage qui est là-haut. Et puis t'as une petite cuisine tout en pierre, machin, etc. Et la salle de bain, pareil, salle de bain à l'italienne avec des vasques. Petit bonus. T'imagines l'été là? T'as l'accès à la piscine? T'es pas trop bien là, sérieux? T'es vraiment trop bien là. Eh, il faut que je fasse un petit timelapse là. C'est magnifique. Non? I'm just telling you about that ship before we drop it on. Bon, voilà, la soirée est finie. J'ai rangé le matos déjà. Donc je chargerai dans le camion demain. Mais là, il est 4h30. J'ai envie de dormir. J'espère que ce vlog vous a plu. Voilà, comme toujours. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur le vlog si vous avez aimé. Et surtout, en fait, sur mes nouvelles vidéos. J'aimerais savoir votre avis. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous vous en battez clairement les couilles? Dites-le moi. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à la prochaine, les gars. Allez, salut.